Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Joléo. Débutons cette édition à Béni, où très touché par le témoignage de ses élèves brutalisés par les forces de l'ordre lors de leur sit-in d'élèves, le chef de l'État a décidé de transférer l'élève Katungu à Kinshasa pour des soins appropriés. Abigail, âgée de 18 ans, élève en 5e année secondaire en agronomie à Béni, est attendue à Kinshasa ce mardi. Revenons à Kinshasa où un tête-à-tête qu'a eu le Premier ministre Jean-Michel Samba Lokonde avec le directeur régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest de la SFF sur le développement de l'énergie électrique en RDC. Suivez ce propos recueilli. Merci beaucoup. On vient d'avoir une discussion très productive avec Monsieur le Premier ministre. Je suis le représentant de la SF, la Société financière internationale, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Et on s'occupe du développement du secteur privé et du financement du secteur privé. Donc nos discussions ont porté essentiellement sur le développement du secteur privé en République de RDC et sur un ensemble de secteurs, dont l'énergie, qui est vraiment le moteur de toute économie, qui est nécessaire pour les entreprises, pour les foyers et pour l'économie de façon générale. Alors, le secteur où on a le plus, je dirais, de, comment on dit communément, de pipeline, hein, donc de projets en cours, c'est l'énergie. Où on a un programme de mini-grid qui sera une première en Afrique pour nous, en RDC, dans lequel on compte investir autour de 400 millions dans les prochaines années, à commencer par une première phase de 150 millions dans deux localités qui sont en train d'être identifiées. Ensuite, on a un projet de producteur indépendant d'électricité de 100 mégawatts, donc de solaire, et également là le niveau des investissements en gros c'est 100 millions de dollars. Mais pour faire ce projet là il faut qu'on travaille ensemble avec le gouvernement, la Banque mondiale et nous pour continuer à réformer le secteur de l'électricité, continuer à assainir le secteur et notamment la Société nationale d'électricité pour pouvoir attirer les investisseurs privés qui puissent venir investir dans la génération et plus tard dans d'autres secteurs. Le dernier point dans le domaine de l'énergie, c'est vraiment comment aider à réduire les pertes commerciales de la SNEL, qui sont assez importantes en RDC et qui demandent donc que le gouvernement mette de l'argent de sa poche, alors que si on pouvait réduire ces pertes-là, le gouvernement aurait moins d'argent à mettre dans le fonctionnement de la SNEL. Les autres secteurs de financement des PME, on a des opérations en cours en ce moment. On a deux transactions qui sont très avancées pour un montant total de 80 millions de dollars avec deux institutions financières qui seront annoncées quand elles seront signées. Mais aussi, on a des projets pour améliorer le cadre réglementaire pour le crédit bail, par exemple. Et le crédit bail, c'est probablement un des outils les plus importants pour financer les PME. Vous savez, une des contraintes les plus importantes dans nos pays pour l'accès au financement, c'est les garanties que les banques demandent. Et souvent, ces garanties, les banques les demandent sous forme de terrain ou de bâtiments. Et pour les PME qui n'en ont pas, ils restent en dehors du financement du secteur bancaire. Le crédit bail permet d'utiliser l'équipement financier comme la garantie. Mais pour que le crédit bail puisse marcher, il y a des aspects fiscaux dans beaucoup de pays qui ne favorisent pas son développement par rapport aux prêts classiques. Donc on a travaillé sur une réforme du cadre réglementaire du crédit bail pour qu'il puisse on puisse vraiment favoriser le développement du crédit bail et faciliter le financement, par exemple, de tout ce qui est service aux miniers. Il y a besoin d'équipement et les locaux, les PME locales pourraient, s'ils avaient accès au financement, acquérir les équipements et puis fournir ces services-là. Même chose pour l'agriculture, ça demande beaucoup d'équipements et le crédit bail permettrait de les fournir. Dernier point que je dirais, c'est la centrale de risque. Le système financier a besoin
d'informations fiables pour prendre des décisions de crédit. Et les centrales de risque permettraient vraiment de faciliter et d'accélérer ces décisions. Rendons-nous dans le Haut-Katanga où la première pierre pour la construction de l'usine de la Souria Mine Sarel a été posée par le gouverneur de province, Jacques Kabula Katu. À son arrivée sur les sites du village Kitemena, 35 km de la ville de Likasi, sur la route Kilela-Balanda, dans les territoires de Kambouf, Jacques Kabula Katu s'est fait escorter par les travailleurs de cette entreprise. Il sera par la suite accueilli par l'administrateur du territoire de Kambouf et va recevoir les honneurs de la police nationale congolaise avant de passer en revue la aide d'honneur des circonstances. Prenant la parole, le représentant de Souria Mines a peint le tableau de ce que sera cette entreprise minière. Une première pour ce coin du territoire de Kambouf qui produira annuellement 30 000 tonnes de cuivre cathode et 6 000 tonnes de cobalt. Elle veut impacter le social des habitants du village Kitemena en offrant 1 000 emplois directs et 1 500 emplois indirects. Elle construira un camp des agents, un hôpital, une école, un centre récréatif et va connecter le village à son réseau électrique. Que ce projet aura un impact considérable sur le plan socio-économique. Et cela va accompagner la volonté du président de la République, chef de l'État, tout en soulignant ici le développement d'un partenariat gagnant-gagnant. Dans son mot, le gouverneur a voulu que ce partenariat soit gagnant-gagnant, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et a demandé à Souria Mines de recourir à la main-d'œuvre locale dans ses engagements. Nous sommes très contents, très heureux de vous accueillir sur notre terre et de souhaiter à ce que le travail se fasse convenablement, qu'on ait une usine qui va permettre de développer la région. En ce qui nous concerne, nous, autorités, vous avez notre soutien et nous avons le devoir de vous accompagner, de voir ce projet réussir. Et nous sommes là pour ça, c'est la mission qui nous a été confiée par le commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous voulons réduire la pauvreté de nos populations qui sont assises sur des minerais et sur des terres riches. Vous avez toute notre bénédiction et vous avez la promesse d'un accompagnement ferme du gouvernement provincial. Par la suite, le gouverneur de province aura la primeur de poser la première pierre de construction de l'entreprise Souria Mines sous les acclamations de l'assistance. Présents à la cérémonie, les chefs traditionnels ont aussi béni le projet. Juste après, le nom Indio Katanga, en compagnie des députés provinciaux élus du territoire de Kambouf et des membres de son gouvernement, vont visiter la concession des Souria Mines sous la guidance des responsables de cette entreprise. Revenons à Kinshasa où le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a visité le mausolée du sphinx délimité Chen Tshisekedi pour s'enquérir de l'état de la situation. Suivez. Comme je disais tantôt, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a visité le mausolée du sphinx délimité pour s'enquérir de l'état général de la situation. Suivez. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Augustin Kabuya, accompagné d'une forte délégation de cadres du parti, a effectué une descente dans la commune de Lancelle le samedi 19 juin 2021 au mausolée où repose le sphinx de l'imité le fait docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba dans le but de remplacer tous les drapeaux de la République qui entourent ces lieux mythiques. Nabino, fer de lance Nabiso, Goto Zakanango, Parlement de Bo, na force du progrès. Ata, place Tukundi, papa Nabiso, Akuzalana et Sengopis Kamoni, qui a tiki batu ya mayele. Tango Tobandaki Koleka Aw, Badrapo Oyo, et Komaki Mabe. Yango na lobaki nazo bande konanga tokende kubongisa place bakunda papa na biso batebele boyebi bakanisa ke après liwa ya Etienne Tshisekedi IDPS elingaki disparaître eza
Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a profité de l'occasion pour annoncer à toute personne qui cherche le détruire du parti au niveau interne qu'il sache que cela n'aura aucun effet. Ici est de noter que le secrétaire général de l'UDPS préconise l'inscription de plusieurs combattants à l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, afin qu'ils soient aptes à exercer un emploi en rapport à la filière qu'ils auraient choisie. D'une province à une autre, rendons-nous dans le Kasaï où, depuis sa création, l'USP Chikapa, première institution d'enseignement de la province, fonctionnait dans l'enceinte de la paroisse Saint-André comme locataire. Il va bientôt habiter dans ses propres installations grâce aux efforts conjugués de l'actuel comité de gestion. Suivez. Sélectionné parmi les 6 instituts supérieurs pédagogiques du pays dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire, avec le financement de la Banque mondiale, l'ISP Chikapa est doté de matériel de pointe et de dernières technologies dans les laboratoires de biologie, chimie et physique, ou une formation continue du personnel enseignant est assurée par les experts afin de mieux prester. Nous sommes dans le laboratoire de chimie et je suis en train d'installer le matériel qui a été livré pour pouvoir faire des expériences. En fait, l'utilité ici est que les étudiants apprennent les phénomènes physiques que l'on voit dans la vie de tous les jours et qu'on les explique. L'actuel comité de gestion, avec à sa tête le professeur Joël Mbingilukwasa, directeur général, l'ISP Chikapa a acheté un lot important d'ordinateurs pour équiper la salle informatique. Parce que depuis les années, l'ISP a toujours fonctionné dans l'enceinte de la paroisse Saint-André. C'est vrai que nous sommes ici à l'ISP Chikapa, c'est notre joli site. Mais nous avons pris une décision courageuse, même impopulaire, de demander à ce que tous les étudiants montent. Les efforts conjugués de tout le comité de gestion donnent les fruits que vous êtes en train de voir. Pour rappel, l'ISP Chikapa organise en son sein 5 sections, mais seulement la section sciences naturelles et exactes, ainsi que l'option informatique technologie qui ont basculé vers les systèmes LMD depuis la rentrée académique 2020-2021. Aux autorités de nous faire même un bus là qui va nous aider à prendre même, à payer même 500 francs là, ça va nous aider. Avec le transport, vraiment, c'est difficile. Revenons à Kinshasa où la jeunesse de Lamouka, partie chère à Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou, a déposé un mémo à la SENCO pour leur soutenir par rapport à leur position concernant la loi portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Un terme à cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Léon Joléo. Au revoir.